Bonjour à tous. Alors je vais faire cette petite vidéo pour que plus tard on se rappelle de ce quartier de l'hôtel de ville qui est en train de changer. Donc voilà, nous sommes en bas de la côte des quatre pavillons. Alors la maison que vous veniez de voir, c'est l'arrière de l'hôtel de ville. Et la maison que vous voyez actuellement, c'est une maison qui va être démolie bientôt. Vous vous demandez sans doute pourquoi je fais cette vidéo, mais c'est parce que je trouve que c'est important pour les générations futures de se rappeler comment était notre ville. Donc voilà, vous voyez, il y a des palissades. Alors ça a été longtemps désaffecté et maintenant je pense que ça va être vite démoli. Donc c'est dommage parce que c'était quand même une belle maison. Voilà. Et alors, voilà plus particulièrement l'endroit que je voulais vous montrer. C'est ici. Alors, vous vous dites, oh ouais, bon, c'est rien, c'est un tas de pierres. De pierre avec une pelleteuse. Bon, il faut vous dire qu'ici il y avait une maison il n'y a pas longtemps, une maison qui était plus habitée. Donc tout ça, ça disparaît là depuis une semaine. Les ouvriers sont dessus, donc nous retrouvons les autres maisons qui mènent vers l'hôtel de ville et qui vont être démolies. Voilà, alors toujours les grillages. Bon, là, c'est un pollueur qui a balancé ses pneus. Bon, c'est dommage. Et donc voilà, ici aussi il y avait une maison. Voilà, alors vous voyez où vont ce qui reste d'un des bâtiments qu'il y avait. Et maintenant, ben, il n'y a plus rien, quoi. C'est un grand champ. Et ça aussi là, ça va être nettoyé et puis on va y construire quelque chose sans doute bientôt. Voilà, donc je vais garder ces images pour mémoire de notre histoire parce que c'est important. Voilà, et pour garder une note positive, on va finir sur ces fleurs. Voilà, comme on dit, la beauté pousse sur le déchet. Allez les amis, je fais un plan général pour finir et dès que ce sera reconstruit je vous mettrai quelques images donc de ce nouveau quartier. Alors vous voyez donc au fond nous sommes juste derrière la mairie de Senon pour vous situer. Alors si vous venez en tram, vous prenez l'arrêt Hôtel de Ville, mais enfin, dans l'immédiat, n'y venez pas parce que, bon, franchement, vous allez trouver un champ de ruines. Hein. Voilà. Et là, donc, nous remontons la fameuse côte des quatre pavillons qui mène vers le haut de ce nom. Allez, à des chats, les amis. À bientôt sur ma chaîne Bulle de Vie.